de libérer nos soldats. Si rien n'est fait, à partir de ce lundi matin, les Ivoiriens dans leur entièreté vont s'installer devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Bombé, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que c'était chaud aujourd'hui, les amis? Yeah! Est-ce que vous savez que la coalition nationale pour le Suisseau, qu'on appelle CONASU, les amis, et j'ai dit, la coalition a organisé aujourd'hui 14 octobre, là, une conférence de presse à l'espace Nelson Mandela au plateau, les amis. Et est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit? Ils disent que le monsieur qui a parlé, là, Koulibaly Zanga, là, Koulibaly Zanga dit que, ben c'est lui qui est le président, quoi. Il dit, donc 72 heures. J'ai dit bien 72 heures aux autorités maliennes. Si les autorités maliennes là, ne libèrent pas les 46 soldats qui sont restés là-bas au Mali, là, ce que ils vont aller s'asseoir devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, là. Et ils vont empêcher toute activité, ils vont empêcher. C'est-à-dire que, attends, trop parler même, ça donne bagbe. Les amis, écoutez le même. Écoutez le Koulibaly, il est en train de parler. Écoutez là, tout à l'heure. Tcha, c'est gâté. Ivoirien, Ivoirienne, dans l'affaire donc des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, la coalition nationale pour le Suisseau a constaté qu'après 3 mois de négociations, la junte malienne irresponsable refuse de s'inscrire dans la libération de nos soldats. Nous avons donc décidé de donner un ultimatum à la junte malienne. À l'effet, dans les 72 heures, de libérer nos soldats. Si rien n'est fait, à partir de ce lundi matin, les Ivoiriens dans leur entièreté vont s'installer devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour empêcher les services de fonctionner, pour dire à monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes plus la bienvenue en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici réunis avec les différents présidents du présidium de la coalition nationale pour le Suisseau. Vous avez à ma droite le président Mbala. Vous avez le président Bamba, le président Kass, le président Sissé Soumana, le président Gogoua Jean-Luc et le président Atiori. Les autres présidents nous ont rejoints pour la cause. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne l'intelligence et la clairvoyance aux autorités maliennes dans les 72 heures. Sinon, nous allons investir l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Merci. Tous rassemblés pour ta gloire, nous bâtirons dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unie dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Donc voilà ça, tcha 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 tcha.
qu'on a su la autorisation pour marcher, qu'on a su la autorisation pour faire conférence de presse, qu'on a su la autorisation pour menacer les Maliens. Yeah! Pendant que les travailleurs du privé, quand ils sont sortis en zone 4, et moi aussi, zone 4, quand ils sont sortis à la zone industrielle, Yopougola, on est venu les gazer. Non, on les a gazés. Quand Samba David aussi dit que, ah, il faut pouvoir aussi manifester pour demander la libération de Pilcheri, Edith Gbale, ainsi que, comme on appelle, les autres prisonniers politiques là. On lui a dit non, si tu t'amuses à me dire que tu as fait marche et puis accrocher que c'est pas ça, tout sera sur toi. Faut pas t'étonner qu'on te remette en prison là, menacé. Donc, quand c'est pour Zanga là, on laisse Zanga faire. Yeah! On laisse Zanga autoriser marche. Yeah! Moi, j'ai fini mon affirage. Je vous laisse, papa et les amis. En tout cas, Zanga, parlez les Gbade, il dit qu'ils t'ont 3 jours, 72 heures. Oh, si les Maliens qui étaient censés être à Lomé dans l'avion, là, ceux qu'ils ont ramenés encore au Mali, là, voilà. Si on ne les laisse pas ressortir, si on ne les laisse pas sortir d'ici 3 jours, là, ce que vous n'avez pas vu là, vous allez comprendre. Quelle est magnité? Non, non, quelle est magnité? Attends, quelle est magnité? Politique non là, quelle magnifique. Eh, quelle est n'est pas bon. Unissons-nous, soyons unis. Vraiment, c'est l'Afrique qui gagne toujours. Arrêtons les palabres. Arrêtons les palabres. Voilà, soyons unis. Voilà, en tant qu'Africains, soyons unis. C'est ensemble qu'on peut aller loin. Arrêtons les querelles. Sur ce, je vous laisse, les amis. À tout à l'heure. Bonne fin de soirée à vous, bon week-end à vous. Et puis, je vous demande de vous abonner à ma chaîne, et, comment on appelle, Facebook, vous voyez, non. Pas au cas où YouTube, j'en déconne, quoi, on peut se mettre aussi sur Facebook. Donc, je vais épingler le lien là. Cliquez dessus pour dire que vous voulez me suivre seulement sur Facebook. Voilà, comme ça au moins, on peut faire comme ça. Sur ce, je vous laisse, bye bye. S'appelle la France.